tu peux voir cette question de façon où tu vois le verre à moitié vide, il te dit oh, putain, on a la pression, il faut pas perdre. Où tu vois le verre à moitié plein, tu te dis putain, on est vraiment pas loin, quoi. On est vraiment pas loin, on continue parce que ça va basculer dans le bon sens. Donc je pense qu'il faut rester positif, il faut pas minimiser le travail qui nous reste à faire, surtout les progrès qu'on a à accomplir. Mais il faut continuer à aller de l'avant. Il faut regarder devant. Et devant, c'est le. Tu as raison de dire que c'est le classement, mais c'est aussi le contenu. Le contenu à faire pour que, justement, on remonte au classement. Mais dans ce championnat qui danse, il faut regarder vers devant. Les fêtes de Noël sont passées par là. Les garçons et tout le monde profitaient de leur famille. Et ça a fait du bien à tout le monde. Et voilà, on est reparti travailler d'arrache-pied pour préparer ce gros match du Racing. Non, je pense que c'est une équipe qui sait réagir et qui l'a déjà montré. Perdre chez eux et aller gagner à Toulon, c'est du déjà fait. Donc là, ils perdent chez eux, devant leur famille, devant leurs amis, juste avant Noël. C'est sûr que ça pourrait mettre un coup au moral, mais je pense que c'est des compétiteurs avant tout, c'est des grands joueurs. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc je pense qu'ils vont être amers et venir ici avec des intentions, et vouloir se racheter surtout. Donc à nous de répondre présent.